Oh non! Mes moutons se sont échappés! Regardez, ce fermier a besoin de notre aide. Morphol, change-toi en chien de troupeau. Transformation! Merci beaucoup, Morphol. Tu es vraiment un bon chien de troupeau. Allons-y, Mila et Morphol. Nous avons notre propre mouton à vendre. Ce mouton magique en barbe à papa. Merveilleux! Croyez-moi, c'est le meilleur moyen pour obtenir facilement de la barbe à papa pour votre foire. Délicieux! J'aimerais 20 de ces moutons magiques. Mais c'est un animal magique. Il est unique en son genre. Un seul? Ce n'est pas assez. Non, désolé. Oh, pas vendu. Nous n'avons plus qu'à rentrer à la maison. Papa, est-ce que Morphol peut jouer avec le mouton magique? Oui, bien sûr. Bonbon, ce n'est pas bon pour les moutons. Waouh, Morphol! Maintenant, il y a 2 moutons en barbe à papa. Ah! Je pense que c'est arrivé parce qu'elle a mangé les bonbons. Morphol, regarde! Change-toi en chien volant. Morphol, mets-les à l'arrière de mon camion de livraison d'animaux magiques.
Je croyais vous avoir dit qu'il me fallait 20 moutons magiques. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Hein? Wow! Transformation. Elle est passée par notre animalerie magique, papa. Est-ce que je vais avoir un animal magique? Je ne peux rien te dire, Mila. Les affaires du Père Noël sont des affaires secrètes. Ouvre ton cadeau et tu verras bien s'il y a un animal magique. Waouh! Alors, c'est quoi? C'est... rien du tout. Tu es sûre de ça? Oui, il n'y a rien là-dedans. Tu devrais regarder encore une fois. Waouh, waouh, waouh! Le cadeau est un animal magique! Il s'appelle Morphle et je vais te montrer pourquoi. Bonjour, Morphle! Morphle, change-toi en chat. Waouh! J'ai un chat! Morphle, transforme-toi en cheval. Oui! J'ai un cheval! Morphle, change-toi en dinosaure. C'est le meilleur Noël de tous les temps. Tu es le plus beau cadeau du monde, Morphle. Tu peux te transformer en tout ce que je veux. Change-toi en télé. Oui! Tu n'aimes pas être une télé, Morphle? Morphle n'aime pas être une télé. Morphle, change-toi en toi-même. Morphle? Ah, alors ça c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire, Morphle? Morphle? Morphle ne sait pas. Ok, je vais te montrer des trucs amusants pour Noël. Et tu me diras ce que tu préfères. On peut faire un dessin pour le Père Noël? Ou nous pouvons décorer le sapin de Noël? Tu peux faire un bonhomme de neige. Morphle, change-toi en pelleteuse. Maintenant, fais un bonhomme de neige, ici. Il est super beau! Morphle aime la neige! Morphle aime la neige! Tout, 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 tout! Tu peux être tous les cadeaux de Noël à la fois, Morphle! Mais tu sais ce que je préfère le plus? Pelleteuse? Non! Télé? Non. Chat? Non, Morphle. Le plus beau cadeau, c'est d'avoir un nouvel ami. Mila, Morphle, ami. Morphle, Mila, ami. Allez, lançons encore des boules de neige. Morphle fait boule de neige. Grosse boule de neige. Oh, oh. C'était quoi, ça? Oh! C'était quoi, ça?
Père Noël! Ouf, bonjour, Mila. Oh non, Père Noël! Je suis désolée qu'on t'ait frappé avec la boule de neige. On jouait, c'est tout. Oui, c'est très amusant de jouer avec de la neige. Mais regarde, mon traîneau est tout cassé. Maintenant, je ne peux plus apporter des cadeaux aux autres enfants. Père Noël, tu m'as apporté un animal magique comme cadeau de Noël. Tu te souviens? Il peut se transformer en nouveau traîneau. Ça me paraît être une très bonne idée, Mila. Marfel, transforme-toi en traîneau. Oh oh. Hein? Morphle, tu es un animal magique. Tu es censé te transformer comme on veut en n'importe quoi. Morphle, animal magique de Mila. Oh, oui, bien sûr. Mila, c'est toi qui dois demander à Morphle de se transformer en traîneau. Morphle, transforme-toi en nouveau traîneau pour Père Noël. Et maintenant, ajoute des ailes au traîneau. Et maintenant, un moteur à réaction. Et deviens plus gros, pour que les rennes puissent aussi monter dans le traîneau. Ok, Morphle, allons-y! Ho, ho, ho! Joie! Waouh! Des bébés tricératops! Bébé! Oui, j'ai trouvé ces œufs avec ma machine à remonter le temps. Ils étaient posés comme ça, dans le futur, sans parents pour s'en occuper. Morphone! Morphe-toi en tricératops! Les dinosaures n'existent plus maintenant. Mais avec cette machine à remonter le temps, nous pouvons trouver des dinosaures différents de millions d'années et les zapper dans notre époque. Comme ça, nous pouvons les étudier. Bien, nous n'avons plus besoin de lui maintenant. Nous allons le renvoyer chez lui. Professeur Rachid! Oh, oh non! Mila, utilise la machine pour me ramener dans notre époque! Je vais essayer! Oui, super! Zappe-moi! Oups! Oh non! Essaye encore! Mila, toi et Morphle, vous devez aller chercher mon amie, professeur Tsang. C'est aussi une scientifique. Elle pourra réparer la machine. D'accord. Attention, Morphle. C'est un T-Rex. Morphle, il faut trouver professeur Tsang. Viens, Morphle, par là.
Les dinosaures sont partout dans la ville. Oh, attention, Morphol, c'est le T-Rex. T-Rex, mange pas, bébé. C'est ici qu'habite Professeur Tsang. Professeur Tsang? Mila, Morphol, que se passe-t-il? S'il vous plaît, aidez-nous à réparer la machine. Nous devons zapper le T-Rex dans son époque. Oh non! Le T-Rex arrive! Ok, c'est réparé! Vite, Morphol, zappe-le! Oui, ils ont réparé la machine! Maintenant, renvoyons les autres aussi. Merci beaucoup de m'avoir sauvé, Mila et Morphol. Alors, j'en ai parlé avec Professeur Tsang, et c'est peut-être mieux si nous renvoyons aussi les bébés Triceratops dans leur époque. Mais vous avez dit qu'ils n'avaient pas de parents pour les protéger. Oui, mais... Morphol, pas renvoyer bébé. Mais nous ne pouvons pas les garder, Morphol. Maman et papa veulent que je n'ai qu'un animal de compagnie. Mais je t'ai déjà. Ne t'en fais pas, Morphol. Je sais comment leur trouver un bon foyer. Ah, regarde ces singes, Morphol. Ils sont si drôles. Morphol, morphe-toi en singe. Singe. Morphol, regarde. Mila. Où est Morphol? Il est temps de rentrer à la maison. Oh, tu es là. Bien, allez, on y va. Ces vilains singes sont encore de retour. Allez, attrape-les, Rudy. Ah, je suis vraiment désolé pour ça. Je vous en prie, madame. Tu l'as eu, Rudy. Bravo. Toi, tu es le seul singe qui n'est jamais vilain. Tu écoutes toujours.
Regarde, Rudy, nous avons oublié un singe. Il sort du zoo, comme ça, il va s'échapper. C'est vraiment vilain. Va le chercher, Rudy, et ramène-le sain et sauf. Ok, amusez-vous bien. À plus tard. Regarde, Morphole, un autre singe. Oh non, il veut t'attraper. Bon travail! Tu l'as ramené chez lui! Ok, Rudy, reste ici et surveille bien ces vilains singes. Et quoi qu'il arrive, ne laisse pas ce petit singe s'échapper encore une fois! Oh, Rudy! Oh, je croyais que tu étais le seul singe jamais vilain. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas le laisser s'échapper. Tu ne m'as pas écouté. Oh, je suis vraiment déçu. Hein? Tu n'es pas un singe. Non, il n'est pas un singe. C'est mon animal magique, Morphole. Il s'est juste morphé en singe. Oh, je suis désolé, Morphole. Je pensais que tu étais un de ces vilains singes. Et maintenant, je comprends pourquoi tu ne m'as pas écouté, Rudy. Tu savais que Morphole n'était pas un vrai singe, n'est-ce pas? Tu voulais qu'il rentre chez lui, chez Mila. Tu n'étais pas du tout vilain. Rentrons à la maison maintenant, Morphole. Morphole veut retourner chez Singe. Morphole jouer avec Singe. Oh non! Barky, le chien de Monsieur Vanderboos, court après Teacup. Vas-y, attrape-le. Barky fait peur à tous les chats. Pas tous les chats. Morphole, morphe-toi en tigre. Barky. Un tigre? Oui, allô? Ici la police. Un méchant tigre est en train de poursuivre mon pauvre chien innocent, Barky. Quoi? Un tigre? Nous arrivons! Thank you.
Regarde, une voiture avec télécommande. Troy, sauve Teacup, s'il te plaît. Morphle, morphe-toi en souris. Hein? Les chats aiment courir après les souris. Hein? Ce n'était pas un tigre ou une souris. C'était Morphle. Super! Maintenant que tout le monde est là, si nous nous arrêtions de nous courir après, qu'à la place, nous nous amusions ensemble. On dirait bien que ce chien adore courir après les petits chats. Morphle aime courir après. Étant un policier, moi, j'adore courir après les méchants. Ouais, se courir après est très amusant. Peut-être, nous allons nous courir après et s'amuser ensemble. Jouons au chat. Ok, monsieur l'agent. Vous comptez jusqu'à 10 et vous essayez de nous attraper. 7, 8, 9, 10, j'arrive. Vous êtes tous attrapés. Non, pas tous. Vous n'avez pas attrapé Teacup. À ton tour, Teacup. Il arrive, il arrive. Courez, courez. Nous devons être très prudents avec ça. C'est une grosse boîte remplie de monstres effrayants. Il faut que j'appelle la police. Morphle, jouez avec monstre. Non, Morphle. Allô? Allô? C'est affreux. Quelques-uns de mes monstres effrayants se sont échappés. J'arrive.
Morphol peut être ami. Morphol, les monstres ont peur de toi. Tu es un monstre de monstres effrayant. Morphol, effrayant? Les monstres te trouvent effrayant, mais pas moi. Tu es un gros doudou câlin. Ah, tu n'as pas le droit de faire peur aux gens, monstre. Morphol? Morphol, morphe-toi en toi-même. Morphol, pas vrai monstre. Hein? Morphol! Les monstres font peur à tout le monde, mais Morphol n'est pas un vrai monstre. Voilà les vrais monstres! Arrêtez de faire peur à tout le monde, vilain monstre! Ne me faites pas peur comme ça! Les monstres ont peur de Morphol. Tu es un monstre de monstres effrayant. Alors, n'ayez pas peur de Morphol. C'est un de mes amis et il est en fait très doux et câlin. Regardez, vous pouvez le caresser. Vous voyez ? Ce n'est pas agréable d'avoir peur, pas vrai les monstres? Alors, vous ne devriez plus faire peur aux gens. Je pense que les monstres devraient aider les gens à ne pas avoir peur d'eux. T'aider à ne pas avoir peur. Oui, tout comme moi qui vous ai aidé à ne pas avoir peur de Morphol. J'ai peur du docteur. Le monstre n'a pas peur du docteur. Tu ne devrais pas avoir peur aussi. J'ai trop peur de faire du vélo. Le monstre va t'aider à ne pas avoir peur. Morphol, j'ai peur de l'obscurité. Morphol, peur aussi. Mais nos nouveaux amis nous aideront à avoir moins peur.